Je condamne avec la dernière énergie ces massacres répétitifs. Ce qui est inquiétant, c'est le fait que les rebelles trouvent tout leur temps pour entrer dans des maisons, égorger les gens. Ils utilisent des machettes, donc c'est vraiment révoltant. Ici, je voudrais appeler les FRDC à davantage de courage, de bravoure pour mettre hors d'état de nuire cette rébellion qui commet des exactions terribles sur des populations civiles. Je crois que au même moment qu'on fait la répression, parce qu'il faut réprimer, éradiquer ces phénomènes, il faut les combattre. Je crois que au même moment qu'on les combat, il faudrait réfléchir sur les liaisons possibles entre ces groupes et les groupes terroristes, parce qu'avoir leur modus operandi, ça laisse penser à un noyau terroriste. Il faut étudier profondément cette question dans les universités, les chercheurs, la société civile, pour savoir qu'est-ce qu'il en est exactement. Le message aussi que je lance, c'est d'appeler la population de Beni et environ de collaborer avec les FRDC pour mettre fin à cette aventure des ADF. Je demande aussi au gouvernement d'assister les familles des victimes, les blessés, de leur donner toute l'assistance nécessaire, les médicaments, pour qu'ils puissent se refaire petit à petit. Je demande que cette tuerie cesse. Effectivement, pourquoi? Parce qu'en l'espace de quelques jours, en tout cas moins de 2 semaines, qu'il y ait 85 personnes tuées, je crois que ça soulève des inquiétudes dans le cas de l'accord d'Addis Abeba, à savoir le rétablissement de l'autorité de l'État. Le gouvernement doit bénéficier de l'accompagnement de la communauté internationale. Donc, il faut effectivement une ligue dans ce sens-là. Il faut un travail de concert entre le FRDC, la MONUSCO, la brigade d'intervention, donc, et il faut également l'appui de la population pour dénicher partout où se cacheraient les assaillants.